Bonjour, nous allons vous montrer en quelques minutes comment installer, entretenir et faire fonctionner votre nouveau chlorateur FlowClear Bestway. Ce film accompagne la version imprimée du manuel de l'utilisateur, mais ne le remplace pas. Faites attention aux avertissements et consignes de sécurité inclus dans le manuel. Avant l'installation, votre piscine doit être montée et remplie d'eau. Contrôlez aussi que la prise de courant est accessible. Donnons un coup d'œil au chlorateur. C'est une cellule électrolytique. Elle contient les électrodes bipolaires en titane qui effectuent l'électrolyse et créent du chlore. C'est le capteur de débit. Il protège la cellule électrolytique et assure qu'il y a toujours suffisamment d'eau dans la cellule. Quand le débit de l'eau chute sous le niveau minimum, le capteur s'arrête automatiquement pour protéger la cellule électrolytique et le chlore n'est plus produit. Voici le tableau de commande. Il règle la production de chlore, les heures de fonctionnement et il mesure les paramètres du niveau de sel et du débit d'eau. En cas de variation par rapport au réglage défini, le tableau de commande affiche un avertissement. Les informations suivantes concernent les filtres à 800 gallons, 3000 litres. Commencez par éteindre le filtre. Pour augmenter la durée de vie du chlorateur et maintenir des performances optimales, il doit être installé sur la dernière partie de la ligne de retour à la piscine. L'eau s'écoule de la vanne de sortie B dans le filtre, puis dans le chlorateur et ensuite elle retourne à la vanne d'entrée A de la piscine. A l'aide des bouchons d'arrêt, évitez que l'eau ne s'écoule de la piscine. Desserrez les colliers de serrage. Enlevez les grilles de protection et insérez les bouchons d'arrêt dans les vannes d'entrée et de sortie de la piscine. Trouvez les adaptateurs E et F. Fixez l'adaptateur F à la vanne de sortie du chlorateur. Enlevez le tuyau de la vanne de sortie du filtre et fixez-le à la vanne de sortie du chlorateur. C'est le tuyau provenant de la vanne d'entrée A de la piscine. Branchez d'abord l'adaptateur E au tuyau fourni et puis à la vanne de sortie du filtre. Fixez l'extrémité opposée du tuyau à la vanne d'entrée du chlorateur. Quand l'installation est achevée, vous pouvez enlever les bouchons d'arrêt et laisser l'eau s'écouler de la piscine. Remettez en place les grilles de protection et serrez les colliers de serrage. Videz aussi la soupape d'épuration de l'air sur la pompe de filtration pour éliminer tout l'air du système. Cette étape est très importante, il ne doit pas y avoir d'air dans le système pendant le fonctionnement. Les informations suivantes concernent les filtres à 1500 gallons, 5600 litres. Pour augmenter la durée de vie du chlorateur et maintenir des performances optimales, il doit être installé sur la dernière partie de la ligne de retour à la piscine. L'eau s'écoule de la vanne de sortie B dans le filtre, puis dans le chlorateur et ensuite elle retourne à la vanne d'entrée A de la piscine. Commencez par éteindre la pompe de filtration. Évitez de faire sortir l'eau de la piscine en fermant les soupapes de connexion. Enlevez le tuyau de la vanne de sortie du filtre et fixez-le à la vanne de sortie du chlorateur. C'est le tuyau provenant de la vanne d'entrée A de la piscine. Branchez le tuyau fourni à la vanne d'entrée du chlorateur et à la vanne de sortie du filtre. Quand l'installation est achevée, l'eau peut de nouveau s'écouler dans le filtre et dans le chlorateur. Ouvrez les soupapes de connexion de la piscine. Videz la soupape d'épuration de l'air sur le filtre pour éliminer tout l'air du système. Cette étape est très importante, il ne doit pas y avoir d'air dans le système pendant le fonctionnement. Les informations suivantes concernent les filtres à sable à 800 gallons, 3000 litres.
Pour augmenter la durée de vie du chlorateur et maintenir des performances optimales, il doit être installé sur la dernière partie de la ligne de retour à la piscine. L'eau s'écoule de la vanne de sortie B dans le filtre, puis dans le chlorateur, et ensuite elle retourne à la vanne d'entrée A de la piscine. Pour augmenter la durée de vie du chlorateur et maintenir des performances optimales, il doit être installé sur la dernière partie de la ligne de retour à la piscine. L'eau s'écoule de la vanne de sortie B dans le filtre, puis dans le chlorateur, et ensuite elle retourne à la vanne d'entrée A de la piscine. Commencez par éteindre le filtre. À l'aide des bouchons d'arrêt, évitez que l'eau ne s'écoule de la piscine. Desserrez les colliers de serrage. Enlevez les grilles de protection et insérez les bouchons d'arrêt dans les vannes d'entrée et de sortie de la piscine. Enlevez le tuyau de la vanne de sortie du filtre et fixez-le à la vanne de sortie du chlorateur. C'est le tuyau provenant de la vanne d'entrée A de la piscine. Branchez le tuyau fourni à la vanne de sortie du filtre et à la vanne d'entrée du chlorateur. Quand l'installation est achevée, vous pouvez enlever les bouchons d'arrêt et laisser l'eau s'écouler de la piscine. Assurez-vous de bien serrer les colliers de serrage. Les informations suivantes concernent les filtres à sable à 1500 gallons. Pour augmenter la durée de vie du chlorateur et maintenir des performances optimales, il doit être installé sur la dernière partie de la ligne de retour à la piscine. L'eau s'écoule de la vanne de sortie B dans le filtre, puis dans le chlorateur, et ensuite elle retourne à la vanne d'entrée A de la piscine. Pour augmenter la durée de vie du chlorateur et maintenir des performances optimales, il doit être installé sur la dernière partie de la ligne de retour à la piscine. L'eau s'écoule de la vanne de sortie B dans le filtre, puis dans le chlorateur, et ensuite elle retourne à la vanne d'entrée A de la piscine. Commencez par éteindre le filtre. Évitez de faire sortir l'eau de la piscine en fermant les soupapes de connexion. Trouvez les adaptateurs D et C. Fixez l'adaptateur D à la vanne de sortie du chlorateur. Enlevez le tuyau de la vanne de sortie de la pompe de filtration et fixez-le à la vanne de sortie de la vanne du chlorateur. C'est le tuyau provenant de la vanne d'entrée A de la piscine. Branchez d'abord l'adaptateur C à la vanne de sortie de la pompe de filtration, puis le tuyau fourni à l'adaptateur. Fixez l'extrémité opposée du tuyau à la vanne d'entrée du chlorateur. Quand l'installation est achevée, l'eau peut de nouveau s'écouler dans le filtre et dans le chlorateur. Ouvrez les soupapes de connexion de la piscine. Vous devez maintenant ajouter du sel dans la piscine et le laisser se dissoudre. Il faut pour cela 24 heures et vous devez laisser le chlorateur éteint pendant cette période. Pour déterminer la quantité de sel nécessaire, consultez le tableau dans le manuel du chlorateur. La quantité idéale de sel est entre 4000 et 5000 parties par million. Versez lentement et de manière uniforme le sel dans la piscine, loin des vannes d'entrée et de sortie pour éviter d'obstruer le filtre. Agitez le sel sur le sol de la piscine pour accélérer le processus de dissolution. Ne laissez pas le sel s'accumuler sur le sol de la piscine. Faites fonctionner la pompe de filtration pendant 24 heures pour dissoudre complètement le sel. Après 24 heures, débranchez la pompe de filtration. Branchez le chlorateur et allumez-le pour contrôler l'état du débit d'eau et les niveaux de sel. Si vous avez ajouté trop de sel, le voyant rouge du niveau de sel vous informera en clignotant. Dans ce cas, vous devez diminuer la concentration de sel en drainant partiellement la piscine et en rajoutant de l'eau fraîche. Drainez et remplissez environ 20% de l'eau de la piscine ou jusqu'à ce que le voyant du niveau de sel devienne vert. Si l'état du débit d'eau est normal et le voyant est rouge, éteignez le chlorateur et branchez le filtre. Allumez de nouveau le chlorateur, le voyant au-dessus de la touche de marche arrêt devient vert. Appuyez sur les touches et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip pour débloquer le clavier.
Déterminer le temps de fonctionnement selon le tableau 2 ou le tableau 5 dans le manuel du chlorateur et régler le temps de fonctionnement. Pour bloquer le clavier, appuyez sur les touches et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que vous entendiez un long bip. Le chlorateur fonctionnera maintenant pendant le temps que vous avez réglé, à la même heure, chaque jour. Le temps de fonctionnement peut être réglé si nécessaire en suivant les étapes indiquées ci-dessus. Si vous débranchez l'alimentation, ou en cas de coupure de courant, le temps de fonctionnement du chlorateur doit être réglé de nouveau. Quand le chlorateur est en marche, le voyant du temps affiche les heures restantes de fonctionnement du cycle en cours. Quand le cycle s'achève, le voyant jaune au-dessus de la touche marche arrêt indique que l'unité est en mode économie d'énergie. Le chlorateur reprend le fonctionnement 24 heures après être entré dans le mode d'économie d'énergie. Appuyez sur n'importe quelle touche pour afficher le dernier état du panneau de commande. Remarque, la pompe doit être allumée pour que l'appareil produise du chlore. Attention, ne faites pas fonctionner le chlorateur quand la piscine est utilisée. Remarquez aussi que vous devez contrôler de manière régulière la chimie de l'eau de la piscine. A l'aide de la bandelette réactive fournie, vous pouvez contrôler les niveaux de chlore, de pH et d'alcalinité totale. N'utilisez jamais la piscine si le niveau de chlore est supérieur à 3 parts par million. Entretien. Assurez-vous que la pompe de filtration et le chlorateur sont bien éteints. Utilisez les soupapes de connexion ou les bouchons d'arrêt pour éviter que l'eau ne s'échappe de la piscine. Pour nettoyer le capteur de débit, dévissez les trous de blocage du capteur de débit et débranchez la ligne du signal. Si vous trouvez des dépôts sur la surface du capteur de débit, utilisez un tuyau d'arrosage pour le nettoyer soigneusement. Si les dépôts ne peuvent pas être facilement éliminés, utilisez une brosse en plastique pour nettoyer le capteur de débit. Avertissement. N'utilisez pas une brosse en métal car cela pourrait provoquer des dommages permanents. Quand le capteur de débit a été nettoyé, remettez-le en place dans son logement. Vissez-le en position et remettez en place la ligne du signal. Pour augmenter la durée de vie et les performances de la cellule électrolytique, nous vous recommandons de contrôler la cellule tous les 3 mois et de la nettoyer si nécessaire. Dans plusieurs cas, la fonction d'auto-nettoyage de la cellule électrolytique suffit à la faire fonctionner avec un rendement optimal. Mais, si l'eau de la piscine contient de nombreux minéraux, il vaut mieux nettoyer manuellement la cellule. Débranchez tous les adaptateurs, ainsi que les tuyaux de la cellule électrolytique. Contrôlez la présence dans la cellule électrolytique de dépôts sur les plaques en titane. S'il n'y a pas de dépôt, réinstallez l'adaptateur et connectez les tuyaux. S'il y a des dépôts, utilisez un tuyau d'arrosage. Pointez-le dans la direction de l'entrée de l'eau pour éviter d'endommager le capteur de débit. N'utilisez pas d'outils métalliques car elle pourrait rayer la surface des plaques. Remarque, une accumulation sur la cellule indique qu'il y a des niveaux trop élevés de calcium dans la piscine. Si cela n'est pas corrigé, vous devrez fréquemment contrôler et nettoyer la cellule. Si le jet n'élimine pas les dépôts sur les plaques, débranchez la cellule de la base en enlevant les 4 vis de montage. Débranchez le capteur de débit du sommet de la piscine et débranchez le câble de la ligne de la cellule électrolytique. Plongez la cellule dans une solution de vinaigre pendant 2-3 heures et ensuite nettoyez de nouveau avec votre tuyau d'arrosage. Quand la cellule électrolytique est nettoyée, réinstallez-la sur le chlorateur. Dans les zones où les températures hivernales sont très basses, les équipements de la piscine doivent être préparés pour l'hiver afin de les protéger contre des dommages. Débranchez les tuyaux et séchez le chlorateur avant de le ranger. Il est recommandé de contrôler visuellement et de nettoyer la cellule électrolytique à ce moment-là. Vous devez ranger l'appareil dans un lieu chaud et sec. Pour toute question concernant nos produits, veuillez visiter notre site internet www.bestway-service.com ou appeler directement le numéro gratuit de votre zone.